Vous êtes sur la RTNC, Madame, Monsieur, bonjour. Il est 7h à Kinshasa. L'actualité de ce matin reste dominée par cette audience du président de la République accordée à la ministre brazzavilloise de l'Environnement, Développement durable et secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo. Les échanges ont tourné autour des activités qui seront organisées dans le cadre du climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso a apporté au président Félix Tshisekedi l'invitation lui adressée par son homologue du Congo Brazzaville pour prendre part à ces activités organisées dans le prochain jour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec images à l'appui. Fin depuis hier, mardi, de l'examen national de fin d'études primaires au deuxième jour. Les élèves finalistes ont testé leurs capacités en mathématiques et sciences. Si pour les uns, ces épreuves sont abordables, pour les autres, pas du tout facile. Madame, Monsieur, ces reportages vous donnent une dernière occasion, oui, une dernière occasion pour vous, de voir ce qui a été cette journée. Regardez. Deux jours ont suffi pour les élèves finalistes de 6e primaire d'affronter les épreuves de l'examen de fin d'études primaires ENAFEP sur toute l'étendue du territoire national, soit du 3 au 4 juin 2024. On pouvait déjà voir des élèves en cours de route en train de retourner à la maison. Il en est de même devant les centres de passation d'examen, où quelques élèves se sont exprimés avec joie pour relater comment s'est déroulée la fin de cet examen, surtout les mathématiques et les sciences. Difficile pour les uns et facile pour les autres, comme il les témoigne à travers ces images. C'est nouveau, c'est aussi facile, très facile. Je suis rassurée que je réussirai. Le premier jour, j'avais peur, j'ai plus peur. Je suis sûre que j'ai très bien fait cet examen. La mathématique, c'était difficile. Aujourd'hui, c'était un peu difficile. C'était en sciences et en mathématiques. On avait bien étudié, on avait fait tous les cours. On avait vu les questions qui sortaient des cours qu'on avait fait là-bas. Selon les chefs des centres, les examens se sont bien passés dans un climat de sérénité sans incident majeur. Pour l'édition 2024, on constate une augmentation du nombre des élèves et cela se justifie par le fait de la gratuité de l'enseignement, une disposition constitutionnelle activée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez, on change carrément de chapitre à la Chambre basse du Parlement congolais. Plusieurs regroupements politiques jugent urgent de procéder à l'investiture du gouvernement afin de lui permettre de trouver des réponses aux désirata de la population. Suivons tour à tour les déclarations de responsables de ces regroupements. Nous venons d'être reçus par le président accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est pour faire le point de la situation politique du pays, notamment en ce qui concerne l'investiture du gouvernement tel que nommé par le président de la République. Après avoir entendu monsieur le président de l'Assemblée nationale et avoir échangé avec lui sur les différents points de détail concernant ce gouvernement de la première ministre Souminois, nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale et subséquemment procéder à l'investiture de son gouvernement. Les deux groupes parlementaires qui appartiennent à l'Union sacrée de la nation vont procéder à cette investiture à l'unanimité. Au nom de tous les députés UDPS, nous venions de rassurer le président de l'Assemblée nationale et tout le bureau que l'UDPS ne tergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis par Madame la Première ministre, par le biais du bureau, après l'avoir étudié, nous viendrons ici pour l'investiture du gouvernement de la République. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement sera investi parce que nous attendons le programme de Madame la Première ministre pour que nous puissions les critiquer et aussi l'investir. Vous connaissez bien que notre pays traverse des situations calamiteuses à l'Est et que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous avons vraiment à travailler pour que le gouvernement soit investi et donner aux institutions à faire vraiment l'occasion de travailler pour que le peuple congolais puisse se retrouver.
Mais je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Mon appel a été entendu. Nous disons merci à tous les honorables députés qui continuent à nous faire confiance et qui, par leur démarche, sont tentés effectivement de redorer non seulement l'image de l'Assemblée nationale, mais la dignité du député national qui mérite le respect. Autre grand titre de ce matin, la première ministre entrant donne le tempo avant le grand oral. Sécurité dans l'Est, s'attaquer aux problèmes sociaux. Judith Suminois a tenu hier mardi la première réunion de contact avec son gouvernement. Elle a présenté le grand axe du programme du gouvernement calqué sur le 6 engagements du président de la République. La précision donnée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à l'issue de cette rencontre. Françoise Bouela, Pompomba et Dieu Patrick Koukou. Ils ont tous été conviés par la première ministre à la réunion de prise de contact. Les membres du gouvernement souminois se sont rencontrés pour la première fois depuis leur nomination. Dans la salle du conseil, la première ministre tient à serrer la main à chaque membre de son équipe, appelant chacun à se tenir prêt pour servir le peuple qui a renouvelé sa confiance au président de la République pour une seconde fois. Un moment rempli de convivialité qui a permis aux uns aux autres de faire connaissance. Dans la réunion de l'immeuble du gouvernement, la rencontre a duré moins d'une heure. Question d'aller vite à l'essentiel. La première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République. Judith Suminois, qui est déjà prête avec son programme depuis plusieurs semaines, a tenu à mettre ses ministres pas avant le grand oral de l'Assemblée nationale où elle va solliciter la confiance des députés. Il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ses programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. Prenant la mesure de la situation, les membres du gouvernement rangés derrière la première ministre ont visiblement hâte de commencer le travail pour répondre aux attentes des Congolais. Dans le chapitre de la justice, vous vous rappelez certainement de ces jeunes étudiants congolais qui ont hissé haut le drapeau congolais lors d'un concours de procès fictif organisé par la Cour pénale internationale de la Haye. De retour au pays, ils ont reçu les encouragements du président de la Cour constitutionnelle. Edith Tchala. Les étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa qui s'étaient qualifiés en finale du concours des plaidoiries de procès simulé devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, pour se classer finalement deuxième après leurs homologues français de Paris de Panthéon Assa, ont été reçus lundi 3 juin 2024 par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Conduits par leur encadreur, Bruno Kalala, ces étudiants ont remercié la Cour constitutionnelle et son président pour l'appui et l'accompagnement dont ils ont bénéficié durant ce concours organisé par l'Académie du droit international de La Haye pour renforcer les compétences en droit international et pénal. À travers notamment ces deux procès internationaux, des procès fictifs, l'on peut se rassurer que l'image des élites congolaises, du point de vue international, a été très bien rayonnée. Nous avons également à remercier la plupart des juges constitutionnels de cette grande institution qui nous ont aussi encouragés, qui nous ont aussi jeté des fleurs. Dieudonné Kamouleta et ses hôtes ont également évoqué les réalisations de la Cour constitutionnelle et le progrès du système judiciaire congolais. Le président de la Haute Cour a prodigué quelques conseils à ses futurs juristes, question de baliser leur avenir dans le monde du droit. La délégation de ses étudiants a été composée de Maxime Kitingé, Déborah Sabanga, Shekina Mujinga et Christopher Ntiana.
C'est une découverte qui a laissé perplexe les ouvriers de l'école Mpiko de Lemba. Ils ont tombé sur une arme avec un chargeur bien rempli le lundi 3 juin 2024, le long de la clôture de cette école. La police d'Issikon a été interpellée par le responsable de cet établissement scolaire pour le constat. C'est une histoire ici relatée par Mira Ndeke. Nous sommes dans la commune de Lemba. Le long de l'enclos du lycée Mpiko, l'on retrouve un fusil avec un chargeur bien garni de balles réelles aux premières heures du matin, le lundi 3 juin 2024. Comment cette arme se retrouve-t-elle en ce lieu? Que s'est-il exactement passé et qui l'a déposé? Les questions restent sans réponse. Nous étions en train de travailler et nous avons retrouvé une arme, un chargeur. Nous ne savons pas qui l'a déposé. La découverte est des ouvriers commis à l'assainissement de l'école de leur arrivée au lieu du travail. Pris de panique, ils ont interpellé en premier les autorités de l'école. Arrivé en ces lieux pour nettoyer, j'ai remarqué cette arme avec son chargeur bien rempli. Un spectacle qui a eu lieu pendant que les élèves passaient les examens de fin de l'année. Pour ne pas susciter l'attention et ne pas créer la psychose chez les élèves et les habitants du quartier, les responsables de l'école ont fait appel à la police pour constater le fait. Nous osons croire que la police nationale congolaise, qui a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens, pourra se saisir du dossier pour apaiser les habitants de ces coins qui vivent déjà dans une crainte perpétuelle face à l'insécurité grandissante. Mener deux actions de plaidoyer efficaces pour une réforme inclusive à tous les niveaux, c'est l'un des objectifs de l'atelier sur le mentorat de femmes dans la réforme du secteur de la sécurité. Les travaux s'y tiennent au centre supérieur militaire dans la commune plutôt de Ngalema, à l'intention de femmes de faire d'essai de la PNC et de l'ANER. Nicole Cissé. Relever le niveau de compréhension des femmes du secteur de la défense et sécurité sur les questions des réformes liées à leurs institutions respectives, c'est parmi les objectifs de cet atelier sur le mentorat des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité plaidoyer. Madame Florence Boloko, représentante de la ministre sortante du genre, a rappelé l'importance de ces assises. Je vous exhorte donc à être très attentif à l'assiduité par rapport à ces deux jours de travaux pour reproduire les résultats que nous attendons de ces cogitations. Le point focal genre de la MONUSCO salue la tenue de cet atelier qui vise à former les femmes officiers des institutions de sécurité. Les défis sécuritaires auxquels est confrontée la République démocratique du Congo depuis plusieurs années ne trouveront de solutions efficaces et durables que si les efforts sont mutualisés et les acteurs bien formés, y compris à travers le mentorat et pour plus d'inclusivité, à travers le mentorat des femmes qui sont des actrices incontournables du triptyque paix, sécurité, développement. Avec l'appui technique et financier de la division réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO, ces travaux de deux jours regroupent les femmes des FRDC, de la PNC et de l'ANER. Dans un autre chapitre, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi vient de bénéficier d'un lot important d'équipements médicaux, dont de la société Congo Environnement and Mining Consulting. Les autres détails dans ces résumés. Un appareil d'échographie cardiaque et abdominale, un autre pour le dialyse et un dernier pour l'endoscopie digestive. Des instruments rares dans les hôpitaux du pays, alors que leur besoin est en constante croissance. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi dispose désormais de ces instruments médicaux de grande importance grâce à un don fait par la société Congo Environment and Mining Consulting. Grâce à ce matériel, la fondation qui porte le nom de la première dame va contribuer à l'amélioration de capacités de diagnostic et de traitement de pathologies liées au fonctionnement du cœur, des reins et de l'appareil digestif
pour des cas identifiés dans les établissements de santé du pays. Ce don doit venir de nous ici sur place, de nous les Congolais. On doit essayer de faire des gestes dans ce sens pour aider nos frères et sœurs qui souffrent, qui n'ont pas de moyens, de se faire soigner dans de bonnes conditions avec de bons matériels. C'est ce qui nous a vraiment motivés d'assister nos frères et sœurs, parce qu'après 20 ans de travail, on s'est dit, écoutez, il faut quand même s'arrêter et regarder qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Avec ces appareils aujourd'hui, quelqu'un peut aller. Il dit que non, j'ai un problème au niveau du cœur. On fait l'échographie du cœur. Ce sont des appareils en 4D, en 4 dimensions. On peut faire l'échographie du cœur, on voit s'il y a des problèmes de veines, de quoi, de cailloux dans le cœur. Il y a aussi l'échographie de ventre. On peut 4D, on peut voir tous les organes dedans, ceux qui sont touchés ou bien que ce soit, tout le corps. Alors, pour moi, ça va un peu aider à diagnostiquer la maladie tôt et donner des soins appropriés aux patients. En plus de ces équipements, la CEMIC s'engage également à prendre en charge la formation de médecins qui seront désignés par la Fondation pour l'utilisation des appareils mis à disposition. Un pur bonheur pour la distinguée première dame de la République, Denise Nkérou-Tshisekedi, qui voit en ce geste une adhésion à sa vision pour l'amélioration de soins de santé des populations congolaises. La CEMIC SARL est une société d'études spécialisée dans le domaine environnemental et qui célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Vous avez certainement reconnu la voix de Patrick Michel Moukouyi. En bref, le monde célèbre ces 5 juin 2024, la journée mondiale de l'environnement. Cette journée se concentre sur la restauration de terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». Des activités sont prévues ces mercredis à Kinshasa. Environnement. Toujours, il s'est tenu à Kinshasa une rencontre pour la protection de la biodiversité organisée par la coopération allemande à travers son programme de maintien de la biodiversité et de gestion durable de forêt. Images et commentaires. En marge de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, ce side event s'est penché sur le respect des droits de l'homme dans la gestion des forêts du bassin du Congo. Cet événement a rassemblé des experts, des représentants gouvernementaux, des organisations de la société civile et des acteurs locaux pour discuter des initiatives pilotes et des meilleures pratiques visant à promouvoir le respect des droits de l'homme dans la gestion des ressources forestières. Parmi les intervenants, M. Chouaibou Tchoukpouen de la COMIFAC a présenté les résultats des initiatives pilotes soutenu par le projet GIZ, mettant en avant l'importance du respect des droits de l'homme dans la gestion des forêts. Edmar Tain, conseiller technique principal au programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts, BGF de la GIZ, explique le sens de ce side event. Aujourd'hui, c'est un événement où la GIZ a voulu que ses partenaires étatiques, mais aussi la société civile, aient la possibilité de se présenter. Non seulement d'ailleurs la GIZ, mais aussi la branche de la coopération financière qu'on appelle KFV. Donc de présenter ici un peu les actions à différents niveaux menées par des partenaires que nous avons et de montrer aussi autant les progrès que les défis qui existent encore. Cet événement a permis de sensibiliser les participants aux outils juridiques et aux pratiques exemplaires pour promouvoir les droits de l'homme dans la gestion durable des forêts. Il a également souligné l'importance de la participation des communautés locales et autochtones dans la prise de décision et la conservation des ressources forestières. Savez-vous que la première phase du projet Africa Cloud Écosystème est en marche? La Banque africaine de développement vient de disponibiliser une enveloppe conséquente à ces sujets. Une délégation de COMESA a présenté ses projets au ministère du numérique. Kinshasa s'engage à accompagner ces projets. Regardez. Dans les soucis de révolutionner les paysages technologiques du continent africain par un écosystème d'informatique robuste à l'échelle de l'Afrique, le secrétariat du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, envisage couvrir les coûts de l'analyse des marchés et de l'étude des pré-investissements pour la première phase du projet Africa Cloud Ecosystem. Et cela après avoir reçu un financement de la Banque africaine de développement par le biais du mécanisme de préparation
des projets d'infrastructure du NEPAD. Ce mardi 4 juin 2024, le ministre des Télécommunications et du Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a eu une réunion avec une délégation des commissaires venus lui présenter ses projets qui répondent aux défis critiques auxquels sont confrontés de nombreux pays africains. Nous sommes là pour la collecte des données après l'aval de son Excellence, Monsieur le Ministre, en charge de ICT, pour que nous puissions visiter les bases de données qui présentent un bon profil d'un niveau supérieur 3 ou supérieur à 3. Et je crois et j'espère que le Congo sera champion et va abriter le siège, ce projet, ce qui est un grand projet au niveau de l'Afrique. Ce fut un moment de fort échange et de partage d'expériences entre les experts du COMESA et ceux des PTENTIC. Les patrons des télécommunications et du numérique congolais, Augustin Kibasa Maliba, a pris l'engagement de les accompagner dans la mise en œuvre de ces grands projets. Tout à fait. Autre chose, parlant coopération, le russe résident en RDC ont célébré leur fête nationale. Occasion pour leur ambassadeur accrédité en RDC de parler de la coopération entre Kinshasa et Moscou. Christine Lanzo. Ouverture de la semaine russe en RDC dans ce cadre que l'Université libre de Kinshasa et l'ambassade de la Fédération des Russies en RDC vont organiser une série d'activités afin d'ouvrir des possibilités d'apprentissage et d'enseignement de la langue russe. On dit tour à tour l'ambassadeur Alexei Tentebov et le recteur de l'ULK Jean-Lucien Kitima. Les étudiants auront aussi droit à d'autres apprentissages du 23 au 30 mai prochain. Outre la tenue de la table ronde et de cet apprentissage de la langue projet de l'Institut de la langue russe de l'Université russe de l'amitié de peuple Patrice Lumumba avec l'appui financier de la Fondation Russiki Mir, il sera aussi question de renforcer les partenariats russo-congolais interuniversitaires. Nous avons l'intention d'élargir le dialogue systématique avec la communauté internationale, en particulier avec les pays partenaires dont beaucoup proviennent du continent africain. Dans ce contexte, l'un des pays clés est la République démocratique du Congo, avec laquelle nous travaillons sans relâche au renforcement des relations amicales depuis son indépendance en 1960. Le président de la République l'avait dit dans un de son interview que la Russie vient souvent à la grande porte. Alors, comme ce sont des gens qui viennent à la grande porte, pourquoi ne pas les accueillir? Ce sont des gens qui connaissent déjà la loi du Congo, qui respectent les Congolais, ce qui est très important. Ça renforce les amitiés de la République fédérale russe avec l'Université libre de Kinshasa. C'est aussi dans ce cadre que le gouvernement russe a attribué la médaille Pushkin au PCA de ULK Medar Bompoko. Cette médaille, une distinction de la Fédération russe, récompense la contribution dans les domaines culturels, des sciences humaines et de la littérature. Faux et archi-faux, il n'a jamais eu détournement de 5 milliards de francs congolais à l'office de route, tranche son directeur général dans une mise au point faite devant la presse hier mardi à Kinshasa. Il se demande par quel mécanisme peut-on arriver à détourner de salaires bancarisés. En plus, ces fonds n'est pas encore disponible. Joël Makela. Des mouvements d'humeur d'un nombre marginal du personnel de l'office de route ont été observés la semaine dernière, mouvement auquel se sont joints des intrus au siège de cette entreprise du portefeuille dans la commune de la Gombe. Pour dissiper les zones d'ombre, le directeur général de l'office de route a au cours d'une conférence de presse fourni des explications sur la situation exacte d'un présumé détournement. Et on avait trouvé que ce n'était pas important de communiquer parce que ce qui est important pour le personnel, c'est de lui dire à quand il va avoir son salaire avec amélioration. Malheureusement, il y a eu des pêcheurs en eau trouble. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'attribuer cette situation à une quelconque intoxication. Parce que, au courant de la semaine passée, ayant entamé une démarche au budget pour l'obtention de la paye des arriérés du mois d'avril, mai et juin, nous avons signé une correspondance
déposé sur la table du directeur des budgets. Curieusement, des jours après, c'est dans les réseaux sociaux qu'on retrouve que le DG a détourné ces montants, les salaires des agents et cadres de l'État étant bancarisés. Par quel mécanisme nous allons détourner ça avec la délégation syndicale? Nous sommes dans une même démarche au niveau des services du ministère des budgets pour faire en sorte que la situation salariale des agents et cadres s'améliore. Le président de la délégation syndicale dénonce ce comportement. Nous sommes appelés à marcher dans l'ordre. Les démarches, nous sommes là, nous tous, nous sommes en train d'accompagner l'employeur dans les démarches. Ces agents qui se sont illustrés par des actes peu communs seront sanctionnés selon les dispositions légales en matière de législation du travail. Et la religion s'invite aussi dans le corps de cette édition. Prévision du concert du peuple qui sera organisé le samedi 8 juin 2024 au stade de la Kenya à Lubumbashi. Le pasteur et musicien du gospel, Moïse Mbillé, a été reçu par le gouverneur de province. Ces derniers a invité les Louchois à y participer. Nombreux, on les écoute tour à tour. Bonjour, comment allez-vous? La province du Haut-Katanga, c'est une province de paix. Nous avons œuvré depuis un certain temps pour que la population louchoise, particulièrement, soit la population la plus heureuse. Et donc aujourd'hui, il y a de quoi célébrer l'Éternel avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbillé. Donc à ce titre, nous avons ce devoir de louer le Seigneur et nous avons ce devoir d'accompagner notre population à cette grande célébration. Je voudrais ici rassurer les uns les autres que la manifestation va se tenir au stade Kibasa à la Kenya et nous, en tant que dirigeants, nous allons assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ici l'opportunité pour moi d'inviter tout le monde ce jour-là à venir célébrer avec nous. Je commence par dire un grand merci au gouverneur qui nous reçoit aujourd'hui. Et nous sommes très honorés. J'ai fait la rencontre d'un homme qui a un seul souci, c'est de voir son peuple heureux et dans la paix. Et je suis très béni de rencontrer un tel homme et j'ai béni les seigneurs pour cette position à la tête de cette province et nous allons prier encore pour lui. Nous sommes là parce que nous avons compris qu'il ne suffit pas de rester dans un coin de Kinshasa et dire « le pays ira bien ». Il faut descendre sur le terrain, aller à la rencontre de population et apporter ce que nous pouvons apporter. Et pour ce samedi, j'apporte mon art pour le public, pour le peuple, pour l'église, pour les médecins, les enfants, les étudiants de cette province. Nous allons célébrer les seigneurs ensemble pour que la paix règne en ces lieux et que l'Éternel accomplisse tout ce qu'il a promis pour cette province. Au début de cette édition, nous avons promis de revenir avec images et commentaires dans nos prochaines éditions, mais puisque vous informer est une priorité, suivons à présent cette rencontre entre le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et la ministre brazzavilloise de l'Environnement, Développement Durable et secrétaire exécutive de la Commission Climat du Bassin du Congo. Regardez. Le bassin du Congo, une richesse naturelle de l'Afrique, est la solution au réchauffement climatique dans le monde. La préservation de l'environnement et la gestion des forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi Madame Arlette Soudan-Nonout, ministre du Congo-Brazzaville en charge de l'environnement, du développement durable et secrétaire exécutive de la Commission Climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tshisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la Commission Climat du bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République souhaitait également une fois de plus inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. Ils ont également en commun un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo.
Nous avons également ici, dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tourbières, des initiatives d'une université également qui devraient être implantées ici. Et donc, je suis venue donc porter ces différents messages auprès de son homologue et frère, le président Antoine Tshisekedi, de la part du président Denis Sassou Nguesso. La RDC joue un rôle moteur dans la commission climat du bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, explique Madame Stéphanie Mbombo, l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, récemment nommée ministre déléguée près le ministère de l'Environnement. Le commissaire du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat. Ce qui est très important pour nous, étant donné que nous avons plus de 62% de forêts des bassins du Congo. Donc nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission et le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre ses objectifs qui est vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique. Nous voulons ici, par l'économie du climat, aller en dehors de chantiers battus, c'est-à-dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat, mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et nous pouvons développer nous-mêmes notre pays. Mise en place en octobre 2017, la commission climat du bassin du Congo, constituée des 17 pays régionaux membres, dont le Maroc, est une institution de l'Union africaine. L'actualité reste en continu en France, en Ngala, en Chilubaki, Congo, soit sur la RTNC, rtnc.net, aussi sur nos différentes plateformes, Twitter et Instagram. À demain, avec le même plaisir de vous informer, surtout le même sourire.